La toxoplasmose pendant la grossesse, c'est une sérologie mal à rubéole qui est impérative. Kendiro, la sérologie, soit positive, soit négative. Si elle est positive, ça veut dire on est immunisé, c'est bon. Si elle est négative, là, on aura chaque mois et on explique les règles hygiénodiététiques la femme enceinte. On doit insister sur le lavage des mains et le brossage des ongles, surtout quand on manipule soit l'ham, soit la trappe. Donc il faut consommer de la viande bien cuite, laver suffisamment les fruits et légumes, ainsi que toutes les crudités et les plantes aromatiques. Vider et laver la litière de le chat comme un chat. Chaque 24 heures et porter des gants quand on travaille le jardinage. Donc, pourquoi toutes ces précautions? Parce que le toxoplasma il coule les excréments dans le chat. Donc, quoi qu'il coule l'herbe, avec l'herbe, il va être contaminé ou toute hadan ou le mouton qui est avec l'herbe contaminée, il va être contaminé. Pour ça, on insiste sur la viande bien cuite. On insiste sur le trap et sur les chats. Voilà, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour les questions. D'accord. Merci.